Les différentes techniques d'équilibrage des chakras, méditation, yoga, massage. Les chakras sont des centres d'énergie situés dans notre corps. Il y a 7 chakras principaux, chacun ayant une couleur, un son et une signification spécifique. Lorsque nos chakras sont équilibrés et alignés, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Cependant, lorsque l'un de nos chakras est bloqué ou déséquilibré, cela peut entraîner des problèmes physiques, émotionnels et mentaux. Dans cet article, nous allons explorer 3 techniques courantes d'équilibrage des chakras, la méditation, le yoga et le massage. Méditation pour équilibrer les chakras. La méditation est une pratique de pleine conscience qui peut aider à équilibrer les chakras en calmant l'esprit et en favorisant la circulation de l'énergie. Pour pratiquer la méditation des chakras, vous pouvez vous asseoir dans une position confortable, fermer les yeux et vous concentrer sur chaque chakra individuellement. Visualisez la couleur de chaque chakra et répétez un mantra spécifique à chaque chakra pour aider à réaligner l'énergie. Par exemple, pour le chakra du cœur, vous pouvez répéter « J'aime et je suis aimé ». Yoga pour équilibrer les chakras. Le yoga est une pratique physique et spirituelle qui peut aider à équilibrer les chakras en stimulant la circulation de l'énergie dans tout le corps. Il existe de nombreuses poses de yoga qui sont spécifiques à chaque chakra, comme la pose du guerrier pour le chakra racine et la pose de l'arbre pour le chakra du cœur. Le yoga peut également aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut contribuer à un meilleur équilibre des chakras. Massage pour équilibrer les chakras. Le massage est une technique de guérison corporelle qui peut aider à équilibrer les chakras en stimulant également la circulation de l'énergie dans tout le corps. Le massage des chakras peut être effectué en utilisant des huiles essentielles spécifiques à chaque chakra et en massant doucement les zones où les chakras sont situés. Cela peut aider à dissiper les blocages énergétiques et à favoriser un meilleur flux d'énergie. Autre technique pour équilibrer les chakras. En plus de la méditation, du yoga et du massage, il existe d'autres techniques qui peuvent aider à équilibrer les chakras. Les cristaux, par exemple, sont souvent utilisés pour équilibrer les chakras. Chaque cristal a une énergie spécifique qui peut être utilisée pour stimuler un chakra particulier. En portant des bijoux en cristal ou en plaçant des cristaux sur les zones des chakras, on peut aider à rééquilibrer l'énergie. La thérapie par la couleur est également une technique utilisée pour équilibrer les chakras. Chaque couleur est associée à un chakra spécifique, et la thérapie par la couleur implique l'utilisation de lumière colorée pour stimuler chaque chakra individuellement. Cette technique peut être pratiquée en utilisant des lampes spéciales ou en portant des vêtements de couleur spécifique. Les bienfaits de l'équilibrage des chakras. L'équilibrage des chakras peut offrir de nombreux bienfaits pour la santé physique, émotionnelle et mentale. Lorsque les chakras sont équilibrés, l'énergie circule librement dans tout le corps, ce qui peut aider à soulager le stress et l'anxiété, améliorer le sommeil et augmenter la vitalité. L'équilibrage des chakras peut également aider à renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion et favoriser la guérison naturelle. L'importance de la pratique régulière pour une vie équilibrée. En fin de compte, l'équilibrage des chakras est une pratique qui peut aider à maintenir une vie équilibrée et harmonieuse. En prenant le temps de pratiquer des techniques d'équilibrage des chakras, telles que la méditation, le yoga ou le massage, vous pouvez réduire le stress et l'anxiété, améliorer la qualité de votre sommeil, renforcer votre système immunitaire et augmenter votre vitalité. La clé est de pratiquer régulièrement ces techniques d'équilibrage des chakras pour obtenir des résultats durables. Alors pourquoi ne pas essayer aujourd'hui et voir comment cela peut améliorer votre vie? C'est la fin de la vidéo. Nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. À très bientôt sur okarma.fr.